Monsieur Diallo, bonjour. D'abord, que représente le 25 mars? Ah bien, écoutez, ça c'est une question à ne même pas poser, parce que ça c'est... Je crois que si on avait la volonté de créer des statues qui peuvent nous symboliser quelque chose, ce 25 mars 2012 sera inscrite à la plus haute stature d'une des statues qui surplombe Dakar, pour marquer en lettres d'or, parce que ce 25 mars symbolisera clairement la vraie alternative, la démocratie au niveau le plus élevé qu'on ait espéré, qu'on ait pensé pour le Sénégal, qui a été et qui sera toujours une vitrine, une source de démocratie. Et voilà, mon goût, en peu de lettres, pour te dire que le 25 mars, que les Sénégalais gardent en mémoire. Et quel est le climat jusqu'alors je vous parle, où je suis en train de vous filmer? Quel est le climat? Bon, disons le climat, il est serein, il est bon, il est calme. C'est un peu timide, on le comprend bien, parce que ce matin, sur Marseille, il y a le marathon qui fait des blocages au niveau du circuit. Mais nous ne désespérons pas, nous pensons que dans l'après-midi, les gens vont venir en masse et qu'on a des appels de partout. Tout se déroulera dans la bonne ambiance, dans la bonne compréhension, et le Sénégalais est meilleur, il est mature, il sait ce qu'il doit faire, il a son devoir, etc. Merci maestro. Merci à toi aussi, je t'en remercie, parce que je ne cesserai de le faire, parce que après tout, depuis qu'on a commencé, Michel Ndiaye n'a pas cessé de venir tout le temps et participer à sa manière, parce que c'est lui qui reflète ce que nous faisons par sa communication, par ses caméras, par ses enregistrements, par ses belles photos. Des photos qui ne reflètent même pas les images des personnes, mais lui, par sa magie, il fait avancer des choses extraordinaires. Fait des miracles. Vraiment, merci beaucoup pour tout. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous garde et protège. Merci.